je suis allé faire de Berlin pour Pepe World. J'ai découvert un truc, en fin de compte, qui serait l'alliance entre les notes qu'on prenait avant et le futur de maintenant. Ça s'appelle Bamboo. Bamboo Spark. Voilà. Combines typical, normal, note paper. Vous avez donc un bloc-notes tout à fait normal avec un stylo qui est donc ici. And it comes with an app that is for iOS and Android. And then you can just write. Vous suffit d'écrire n'importe quoi, vous prenez des notes, vous faites un dessin, n'importe quoi. Salut la France. Thank you for that. Yeah, voilà, tout a été écrit. Annotation like you do with your note taking in a meeting or something. And you push a button. On appuie sur un bouton qui est ici. Voilà, ging. And then it connects via Bluetooth. Le Bluetooth va envoyer un signal ici. And you get the download here. Il y a le download de ce que vous avez écrit. And there it is in your gallery. Et vous avez dans la galerie, c'est quand même assez dingue, vous avez dans la galerie directement ce que vous avez écrit ici. Exactement, vous retrouvez exactement ce qui est là et bien sûr après vous pouvez le diffuser par le cloud. Voilà. That handwriting stays the same. We don't care, I mean, it's great. Je trouve l'idée absolument dingue parce que c'est une alliance complète entre quelque chose qui serait old school et quelque chose qui, voilà, on peut exporter après. Image PDF or as will. And if you export it as will, you can open up in our note-taking app Bamboo Paper. On peut utiliser soit l'application Bamboo des notes pour vous amuser à créer autour de ce que vous avez écrit ou dessiné. Voilà. Et c'est dans votre écosystème. Voilà, l'idée est absolument étonnante. Moi, je vous en parlais. Making Ideas, c'est le cas de le dire. La société s'appelle Bamboo, qui est donc ici. Et on va remercier le monsieur. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Depuis le 22 septembre, Facebook permet la diffusion en immersion réelle, ou presque, de vidéos en 360 degrés. On vous explique ce que c'est.